Pour cette vidéo avec Simon, nous sommes à Belleville-sur-Saône, à la rencontre de l'entreprise Chiche. Et nous allons interviewer Coralie, qui est la cofondatrice de l'entreprise. Bien sûr. Et la Chiche Marketing Officer. Bonjour Simon. Chiche, c'est des pois chiches. Exactement. C'est quoi la mission de l'entreprise telle que vous la voyez? Alors déjà, la mission, c'est de revaloriser les légumineuses bio et françaises en produits gourmands, comme tu peux consommer maintenant, bon. Prêts à consommer et originaux. Voilà, pour des moments comme l'apéritif, le dessert ou le goûter. C'est vraiment de démocratiser en proposant des manières fun de les manger. Cool. Alors vous faites partie des startups agroalimentaires bio qui marchent bien, bravo. C'est sympa. On peut voir un peu l'atelier. Notre sécheuse. Voilà. C'est quoi pour toi les clés du succès, enfin les clés du début du succès? Je pense que déjà on s'est mis aucune limite, à aucun moment. Voilà, on a été dans l'audace du début à la fin, on l'est encore et du coup on a ouvert des portes comme ça, peut-être qu'ils seraient restées fermées. Première clé du succès du coup. Deuxième clé, je pense que c'est d'être assez humble et puis d'écouter les conseils des autres. Il y a plein de personnes en fait autour de nous qui ont fait des erreurs avant et on a su les solliciter pour leur poser la question, par produire les mêmes ou en tout cas essayer. Et aujourd'hui quand on fait des conneries, on essaye aux startups qui sont à des étapes un peu en amont de nous, de leur donner justement les conseils pour pas qu'ils refassent les conneries qu'on a fait. Voilà, je dirais que c'est ces deux choses là. Humilité, bravo. Miam miam. Miam miam. Est-ce que tu peux nous parler des réussites dont vous êtes les plus fiers et à contrario des difficultés que vous avez eues ou que vous avez encore? Réussite, la première c'est que au début tout le monde nous riait un petit peu au nez hein, quand on parlait de faire des pois chiches pour l'apéro. Et on a créé nos produits nous-mêmes à l'incubateur du coup de Lizara qui est Food Checker. On allait au culot les mettre sur le marché et puis en fait ça a super bien pris et aujourd'hui on a pu monter notre atelier, on est en plateforme chez Biocoop, enfin voilà, donc une belle victoire. Les difficultés, je dirais que c'est le recrutement, c'est le management au quotidien, c'est de structurer au quotidien quoi. Et pour terminer, Coralie, de ton point de vue un peu privilégié, est-ce que tu pourrais nous dire en trois mots comment tu vois l'alimentation bio dans 10 ans? Déjà qu'elle soit fun, parce que je trouve qu'aujourd'hui elle manque un peu de fun, donc faut travailler ça. Sur de la gourmandise, parce que c'est pas tout d'être bon pour la santé, en fait si c'est pas gourmand on n'en mangera pas, donc part de ce principe là. Et j'espère qu'elle sera globale surtout. Voilà, d'ici 10 ans, j'espère qu'en fait, on ne parlera même plus d'alimentation bio. J'espère que ce sera la norme. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, bon petit pois chiche. Petit pois chiche. Choco. Bon.